Et y'a tout le monde, c'est super, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du Minecraft Reno, sur le serveur, toujours les mêmes du Season Sky. Voilà. Donc ça faisait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo, donc il y a eu quand même pas mal de changements, donc du fait que j'ai passé le rang marchand, oui, enfin, après pas mal d'heures de farm. Maintenant, le prochain rang risque d'être encore. Comment dire? Un petit peu plus compliqué, quoi. Donc, ouais, ça va être grandiose, hein, c'est moi, je vous le dis. Alors, je vais déjà récupérer mon kit. Premium, rien, voilà. Alors, on a obtenu. Ouais, bon, après, c'est bien, on obtient des petits éléments. Protection. Oh! Ça, c'est bien, une coffre premium. Qu'est-ce qu'on peut obtenir dedans? Allez! Roulement de tambour! Tout, 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 tout. Ben là, c'est sérieux, ça, mais bon. En vrai, c'est mieux que rien. Je vous le dis, je suis là en me râler. Mais non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est moi qui ai volé, c'est bien, c'est très, très bien. Ok, pour les bouquins. Pap, 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 pap. Voilà, pour les tenues, bien entendu. Ma tenue, P4. C'est quoi ça? P4, S3. Bah après, il y a plus de solidité, mais je vais quand même garder L. Voilà. Alors, j'ai pas l'impression que le son du jeu est très très fort, ou alors c'est moi qui est sourd. Non. Voilà. C'était juste que le son du jeu était pas du tout fort, donc je n'entendais quasiment rien. Voilà, des fois, je suis un peu dur de la feuille, donc faut pas m'en vouloir et tout, hein. Chop, 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 chop. Alors ensuite, ça en vrai de vrai, ça je vais quand même les sélectionner. Ok, facile, facile, avancer. J'ai pas une quête qui traîne là, facile aussi. Bah voilà, regarde. Hop, hop, voilà, comme ça, c'est fait. Celle-ci, on en parle plus, ça faisait un moment que je la voyais traîner dans mon inventaire. Ok, alors on va déjà placer nos petits trucs là. Donc là, c'est les différents pets que j'ai. On va quand même garder le boubou. Hop, 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 voilà. Et je vais vous montrer un peu donc à quoi ressemble le nouveau biome que j'ai pu avoir. Donc je vais récupérer mon arc, bien entendu mon épée. Pourquoi j'ai ça là, je sais pas. Là, c'est des bûches qu'il faudrait que je la fasse avant le 9 septembre, enfin le 7 septembre en vrai. J'ai un petit peu de temps. Et là, des briques rouges, mais je ne sais toujours pas comment je peux la faire celle-ci. Donc, je vais utiliser une rune avancée. Hop, voilà, comme ça, c'est fait. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, je vais regarder vite fait aussi dans le pass, où est-ce que j'en suis exactement? Donc là, ça avance, c'est plutôt pas mal. Et il fallait que je regarde aussi, c'était le truc. Ah oui, c'était événement. Non. Farm contest, voilà. Faut que je voie quand? Dans 5 heures. Ok, bon, ouais. Là, j'ai ce qu'il faut et tout. J'ai pas de flèche. Non, j'ai pas de flèche. J'ai pas pris de flèche sur moi alors que je pensais en avoir. Mais bon, après voilà, pas obligé de prendre 400 000 flèches, mais voilà. Alors déjà, on va aller sur la première aventure, donc un petit peu sur le canyon des profondeurs. On va aller un peu farmer, donc voilà. Alors, ce qui est long, en vrai, ça va être encore les pinces de top. Ce qu'il m'en faut, en faut 21. Et je peux vous dire que c'est très très long. Alors, en plus que j'ai pas pris de nourriture.
Alors, j'ai l'impression, par contre, que ces mobs-là, je sais pas, leur taux de spawn a grave augmenté. Ou alors, je sais pas. Mais en vrai, c'est pas mal. Par contre, j'ai pas de nourriture sur moi, non? Non, j'ai pas pris de nourriture, ce qui est pas foufou. Je vais éviter d'aller dans le shop avant de me faire déglinguer. Hop, on va prendre un stack de steak. Voilà. Oh, je sais pas viser. Donc, c'est à peu près ma routine que je fais à chaque fois que je me connecte. Donc, je farm un petit peu pour trouver les différents éléments qu'il me faut et tout et tout. Donc là, je forme un petit peu les pinces de taupe, ce qui va m'en falloir beaucoup. Après, tout ce qui est queue de taupe, en vrai de vrai, même si j'arrive à en obtenir, bah, je vais les revendre parce qu'elles ne vont plus me servir. Et au moins, bah, ça peut potentiellement servir pour d'autres personnes qui ont un peu la flemme de les farmer. À vrai dire, voilà. J'ai pas encore obtenu de pince de taupe, j'ai obtenu une queue de taupe, mais bon, c'est un matériau comme un autre, même si c'est pas le bon, hein. Allez monsieur, il faut mourir. Voilà. Bon, au moins on obtient des écrous, enfin des rouages, pour un potentiel deuxième écloseur que j'aimerais bien obtenir. Parce que ça me servirait franchement pas mal, en vrai de vrai. Donc ouais. Alors là, niveau des gros, ah je suis bien. En vrai, il y en a pas mal qui spawn ici. Ouais. Oh. Bah là, on m'attaque par derrière, bande de méchants. Oh, j'ai envoyé ma flèche au pôle nord. Attends, il y en a encore un autre, mais non. Ah ouais, pas mal. Et j'ai pas récupéré de pinces. Bon. Ah oui, les pinces, hein, c'est giga long pour les obtenir. Je préfère le dire d'avance. C'est très très long, je crois que pour avoir chopé les 12, il m'a fallu quasiment 10 heures de farm, mais vraiment du farm intensif, hein. Genre je passais mes heures sur cette aventure, hein. Pour pouvoir les obtenir, c'était très très long. Après, en ce qui concerne les queues de taupe, bon, en vrai de vrai, ça va, c'est plutôt tranquille. Mais alors, les pinces de taupe, sous. Ah, par contre, j'ai un gros bonhomme qui arrivait derrière moi, ouais. Je l'ai vu spawn au dernier moment. Arrêtez de m'attaquer par derrière, vous. Aïe, aïe, aïe. Aïe, voilà. Mettez-vous sur la tronche. C'est très bien. C'est vraiment très, très bien. Hein. Voilà. Hop, ma petite récompense. Reward. Hop. Donc là, je me dis, à chaque fois, je farm environ 5 minutes ici tous les jours. Même si je n'obtiens pas de matériaux qu'il me faut, au moins, bah, je farm tranquillou. Ah si, j'ai eu une pince. Ok, j'ai fait le rabat-joie. Je n'avais pas vu. Sûrement le dernier que j'ai dû faire. Parce que j'ai pas vu que j'en avais obtenu. J'avais pas spécialement vu, mais voilà quoi. Hop, il y en a encore un là. Bah allez, on va faire celui-là. Et ensuite, on va continuer là. Petite routine, hop, oh, il est vite tombé celui-là. Hop, on va aller à mon home, tchac tchac paf, ça fait des chocs à pic, voilà. Là c'était quoi? Là c'était du ouf,
Ouh, là on va être ouh, là on va être bien au niveau du bois. C'est quoi ces points? Bois de chêne. Ah ouais, là on va être vraiment très très bien. J'ai même pas pu tout récupérer tellement que j'avais pas de place. J'espère juste que j'aurai assez dans mon double coffre. Alors là, moi qui disais que j'étais en manque de bois, en vrai de vrai, là on est bien. Là en vrai on va être très très bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes rouages pour le prochain écloseur parce que je sais très bien que j'en aurai besoin de pas mal. Donc, et comme il est déjà au niveau max en vrai, voilà, je me dis que ça sert à rien de l'améliorer directement. Autant que j'attende pour. J'attends d'en avoir un autre pour tout simplement l'augmenter. Ouais, au niveau du bois, je vais être très bien. En vrai, mieux vaut avoir beaucoup de bois que pas assez de bois. Honnêtement, voilà. Mieux vaut en avoir trop que pas assez, à vrai dire. On va juste récupérer ma torche. Voilà. Mais là, j'aurai pas assez de place dans mon coffre. Hein. Je le dis directement. Que je vais faire, c'est que au pire, je vais transformer les quelques bûches que j'ai là en planches. Voilà. Paf. On continue. Toc. Non, le seau d'eau. Voilà. Toc. Et toc. Voilà. Et après, ce que je peux faire, au pire du pire, si je vois que j'ai pas assez. Je pourrais potentiellement me faire des shulkers, ce qui serait peut-être plus intéressant, je trouve, J'ai oublié ce que j'allais dire. J'ai oublié ce que j'allais dire. Ouais, non, bah non. Non. Ça veut pas revenir. Bon, bref. Je vais déjà récupérer mes rewards. Paf, paf, paf. Une, deux, trois. Bon, bah, je peux pas en avoir plus que j'aimerais avoir. Mais voilà. Alors là, alors au niveau de mes pouces, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il va falloir. Il y en a quelques. Alors, ils n'ont pas toutes poussé, donc là je vais pas les récolter ici. Je vais aller voir en haut. Alors si en bas c'est comme ça, en haut ça devrait être pareil plus ou moins, mais en vrai, bon, je vais quand même. Bah si. Ah ouais, il y avait plus de Dura? Mais non. Ah ouais! Ah ouais, donc en vrai, elle est bien, mais. Alors, je crois que j'ai dû avoir un bug à un moment avec celle-ci, hein, parce que je savais que je pouvais l'utiliser. Ah ouais, non, mais elle use tellement de trucs. Non, en vrai, de. Ouf, là, ça va être. En vrai, de vrai, je me dis, elle est bien, mais. Je vais rester sur. Sur ma bonne vieille houe magique, hein, voilà. Même si après c'est long de tout replanter et tout, mais là je vais faire ça comme ça en vrai de vrai. Et voilà, je fais comme ça au tout début, donc autant que je continue quoi. Voilà, là je vais juste faire ce champ-là en vrai.
Et je ferai les autres un petit peu plus tard. Hein. Donc ne vous en faites pas. Oh, il y a 10 000 joueurs qui ont rejoint le serveur de Season Sky. C'est incroyable. 10 000, c'est fou quand même. Et on plante des terres, nos petites blés. Et je suis pas encore full, ce qui est plutôt pas mal en vrai. À mon avis, je vais l'être, mais c'est bizarre que je ne le sois pas directement. Moi, ouais, c'est la première fois que. C'est pas la première fois que je récolte des graines de blé, mais c'est la première fois que je ne suis pas full. Donc, ouais, ça me perturbe un peu, à vrai dire, parce que d'habitude, mon inventaire est toujours full. Quand je fais à peine la moitié, et là, bah non. C'est bizarre, je vous avouerai que vraiment, je comprends rien de ce qui se passe. Je sais pas, moi, je comprends rien de ce qui se passe ici, donc voilà quoi. Et on continue à planter nos petites graines de blé dans le sol pour qu'il nous donne du blé. Et y a des trous. Alors, le désavantage, en vrai de vrai, c'est qu'il faut faire gaffe, en vrai, quand on plante, à pas laisser de trous. Alors, l'avantage avec la houe du soleil, c'est que ça enlève et ça plante tout de suite. Le désavantage, voilà, il y a de l'endurance sur la houe. Donc, ouais, pas le choix, malheureusement, de faire avec. Hein, mais je crois qu'elle était buggée, la mienne, parce que je pouvais l'utiliser très très souvent. Et j'avais pas de problème avec ça, donc ouais, je comprends pas trop, mais bon, voilà, pointons. Ça arrive qu'il y ait des bugs sur le jeu, ouais, sur le jeu, mais bon, pas trop dérangeant. Niveau des graines, oh, bon, on va quand même les laisser là, on va faire les doubles coffres, bien entendu. Et quand je serai vraiment full full, bien entendu, on ira tout mettre là-dedans. Là, j'ai combien? Là, j'en ai quand même pas mal. Je vais aller voir là. Là, il y en a quand même pas mal aussi, de la poudre d'os. On va aller voir en bas. Je vais voir à combien c'est. Quasiment le double coffre qui est rempli. Pour là et là, ok, on est à la moitié. On va retourner vite fait au home. Tchapapapapap. Là, on n'a plus rien, je crois. On n'a plus, non, 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 non. Là, au niveau de mes spawners, normalement, tout fonctionne à merveille. On va quand même vérifier. 800. Après, les poulets, comme j'ai pas beaucoup de spawner à poulet, c'est normal après que ça mette du temps, mais là voilà, ça spawn. Attends, quoi, 2000? Ah non, je vais te revoir 2000. Bon, bah voilà, en vrai de vrai. Alors, je vais montrer un petit peu les différents trucs que j'ai fait. Donc là, il s'agit tout simplement d'un four auto. Donc, je pense que vous connaissez tous l'utilité d'un four auto. Donc on met tout simplement le charbon en bas, le combustible en haut, donc le comburant en bas, et après bah, ça fait chauffer tout en même temps. La petite farm à arbres, donc tout simplement j'allume la machine qui est ici. Voilà, je plante ma petite pousse, et comme par magie. Et que ça veut bien pousser. Ah oui, mais non, mais merde. Si je mets pas le... Ouais, voilà. On va mettre la poussée d'acajou. Voilà, hop, je mets l'arbre et ça pousse automatiquement et tout et tout. Donc voilà. Tout
simplement un système de poudre d'os automatique. Là, je le mets dans mon coffre et tout. Donc voilà, donc la petite farm à pêche que je suis en train de mettre au point. Et voilà, en vrai de vrai, on est plutôt bien. Donc, bon, voilà, petit tour de Minecraft. Ah, je vous ai même pas montré en plus la deuxième aventure que j'ai débloquée. Je suis là, j'allais dire, je vais vous laisser, mais j'ai même pas montré la ferme de Jean. Non, mais what the fuck? Alors, la ferme de Jean, donc, se constitue. Là, on peut obtenir quoi? Flora, je sais pas c'est qui. La sympette légendaire, la houe du soleil, les jambières de l'aventurier. Alors, qu'est-ce qu'elle fait en particulier? Ok. Boulbi jaune or et boulbi jaune. Sur vos blés dorés. Oh, sur le blé. Oh! C'est qui est en train de fumer un mec avec son arc là? Ah, c'est lui, il essaie de me fumer depuis tout à l'heure là! Oh la vache, ta grosse tête là! Ah, voilà, hein, tu veux m'attaquer! Donc on dirait des espèces d'épouvantails. Alors des fois les mobs, ils m'attaquent, mais je sais pas de où. Alors je pense qu'il y aura pas énormément de... Ah, je veux dire, il y aura pas énormément de gens, mais si quand même. Oh ça va, vous là? M'attaquer comme ça, la bande de sauvages, là, non mais... Ouais, arrête de crier, là. Non mais, ça le fout. Par contre, en termes d'XP, ici... Ça augmente grave bien. Ah, il y a moyen que je passe même le prochain niveau. Ce qui pourrait être plutôt Gucci en vrai de vrai. Alors je ne vais pas rester à côté des autres joueurs pour éviter de moi les embêter. Je vais les mettre par là-bas au moins. Voilà, je ne vais pas les embêter dans leur farm et tout. Mais en tout cas, c'est vraiment hyper beau. Moi j'aime beaucoup le décor. Après voilà, la ferme de Jean. Moi je croyais au départ c'était la ferme de Jean parce que moi je le disais genre en anglais, je croyais que c'était une fille maintenant. Ah ouais, lui avec son yak là au-dessus de sa tête là, enfin au-dessus de sa tête en dessous. Ouh, une armée là. On dirait... Oui, c'est une armée d'épouvantails quoi avec leurs fossiles, leurs fossiles, leurs faux. Pourquoi j'ai dit non? Comment on appelle ça? Une faucille? Une faux? Oh, j'en sais rien. Bon, un truc qui. Un truc qui fait mal, voilà. C'est un truc pour arracher les mauvaises herbes, ça, je crois, non? Ouais, je crois que c'est un truc pour arracher les mauvaises herbes, normalement. Oh, dans sa grosse tête, là. Ok, allez, on est bientôt au prochain niveau, donc au métier d'avant. Je sais pas c'est quoi, c'est pas le métier, non c'est pas le métier d'aventurier. Je vais dire le métier de hunter, mais non. Si, c'est peut-être le métier d'aventurier en vrai de vrai. Hein. Je pense que si, c'est peut-être le métier d'aventurier. Alors, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de joueurs là actuellement sur cette aventure. Ok, j'ai ouais voilà en mode aventurier. C'est bien, j'ai passé le niveau 17. On va aller voir un petit peu ce qu'on va obtenir au métier 17 de l'or et de l'or. Ouais, bon, voilà. C'est pas mal. Hein. Je vais pas cracher dans la soupe, hein, mais. Par contre, il donne rien, hein? Ah, des tiges de paille.
Ah ouais, donc c'est ça qu'il va me falloir. Ok, ouais, c'est bien des tiges de paille. Alors, je vais regarder un peu à combien. Je vais retourner dans mon home. À combien se vend en vrai les tiges de paille? Parce que je pense que moi, à mon avis, je vais très vite les farmer. Donc, au moins, voir. Là, par contre, les queues de taupe, ça sent tellement bien en vrai de vrai. Ouah, 22. Non, attends. Il est où le pet? L'autre que j'ai vu. Merde, je l'ai perdu de vue. Bon, je sais pas, je l'ai perdu de vue. Les gens ne vendent pas de tiges de blé, tu vas me dire? C'est franchement bizarre. Ah. 150 000 les tiges de paille. 200 000. J'ai pas l'impression que c'est si rare que ça en vrai. Ouais, bah, 290 000 les clés. Ça va, ouais, quand même. Ouais, ils vendent 160 000. Là, il y a un écloseur. Ah, il est niveau 3, 1,5 million. Ouais, ok, bon, c'est pas foufou, hein, en vrai de vrai. La malachite son. Ouais, bon. Ah ouais, 700 000 la corne de yak. Ah, c'est que ça doit valoir son petit pesant d'or hein, quand même, en vrai de vrai. Donc, bon. Je veux juste voir si. Ouais, elle est connectée. Donc, ok. Bon, eh bien moi, les petits potes, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu commentes, tu likes et tu partages. Ça me fera extrêmement plaisir. Je vous fais des gros bisous. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao tout le monde!